Donc, bienvenue à ce conseil municipal du mardi 9 mai 2023, 18h30. Donc, par rapport, donc, premier point, une secrétaire de séance. On remercie Bernadette. Alors, les pouvoirs, j'en ai un. Bonnard Mathieu pour Carré Jean-Christophe. Ici présent. Donc, bah écoutez, de toute façon, on est plus de 10, donc on est 12 ou 13, donc on peut délibérer. Bon, ce soir, donc, premier point, approbation du procès verbal du conseil municipal du 30 mars 2023. Pas d'objection, pas de question. Merci. Donc, entre le dernier conseil municipal et celui-ci, donc j'ai pris un certain nombre de décisions, entre la numéro 20 jusqu'à la 28. Est-ce que j'ai des réactions, en tout cas vous avez vu, ou pas? Bon, ben écoutez, merci. Donc, avant d'attaquer l'ordre du jour, je vous rappelle qu'au dernier conseil municipal, donc le groupe Tous Mossanais avait discuté, en tout cas avait émis pendant 10 minutes un argumentaire sur la gestion de la commune. Et j'avais répondu que lors du prochain conseil municipal, je répondrai à ces 10-15 minutes qu'a duré durer l'intervention de Marie-Pierre Calais au nom de tous Mossanais, parce que comme c'était dense, hein, c'est pas que je voulais pas répondre, mais comme c'était dense, et pour pas faire défaut, j'avais donc promis que je répondrais au prochain conseil municipal, je leur répondrai au prochain conseil municipal, donc je vais leur répondre. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver, aucun des trois n'est là ce soir. Mais bon, en tout cas, ce que chose due, chose promise, je le fais. Donc, réponse au groupe Tous Mossanais. Mesdames et messieurs, membres du groupe Tous Mossanais, à l'occasion du dernier conseil municipal du 30 mars 2023, alors que nous nous apprêtions à évoquer toute une série de délibérations à caractère financier, vote du compte administratif et du budget primitif, vous avez fait le choix de la lecture d'une déclaration politique marqué par une addition vertigineuse d'erreurs et ou de contre-vérités. Pourquoi un tel choix alors que s'offrait à vous trois la possibilité de débattre pied à pied de chaque proposition et formuler les vôtres? Ma conclusion tentera un début de réponse, mais revenons d'abord, pour les Mossanaises et Mossanais, rétablir un certain nombre de vérités. En effet, selon les trois élus du groupe Tous Mossanais, la dette serait en augmentation de 42% alors qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissements. Quelle conception étrange du volume d'investissement. L'emprunt de 1,5 million euros réalisé a été adossé au budget primitif 2022 à 5,5 millions d'euros d'investissement, comprenant entre autres la rénovation des équipements publics que sont le stade, l'école, les chemins communaux et la création de la maison régionale de santé pluridisciplinaire. Au 31 décembre 2022, tous ces investissements étaient réalisés ou engagés pour un montant global quand même de 4,9 millions d'euros. Après réalisation de cet emprunt, la commune présente donc une capacité de désendettement, de 2,5 ans, alors que le seuil d'alerte des banques est à 12 ans. Il a été dit que la masse salariale a augmenté et les indemnités des élus ont fortement augmenté. La masse salariale de la commune a été impactée, entre autres, par l'évolution du point d'indice. Elle a représenté en 2022 42,5% des dépenses de fonctionnement, ratio largement en deçà des moyennes des communes. L'enveloppe des indemnités de fonctionnement des élus, maires, adjoints et conseillers municipaux délégués a été fixée en début de mandat en tenant compte du classement de la commune en station classée de tourisme. Surprenant que les trois élus du groupe Tous Mossanais en fassent aujourd'hui un cheval de bataille, ils ont voté pour le 4 juin 2020.
Cette enveloppe représente par ailleurs 76% de l'enveloppe maximale prévue par la loi. L'indemnité maximale du maire en application des mêmes textes se situe à ce jour à 3 115 € brut par mois. Et l'indemnité votée et perçue est de 1 697 € brut par mois, soit 1 312 € net. Chaque année, le conseil municipal est informé des indemnités perçues par les élus. Nous nous étonnons que la chef de file du groupe Tous Maussanais y voit un manque de transparence, pendant qu'elle n'a pas le passé, pas daigné indiquer en conseil municipal le montant des indemnités qu'elle perçoit au titre de ses différents mandats. Le budget 2022 n'a été que partiellement exécuté. Selon le groupe Tous Maussanais, seuls 24% des crédits auraient été utilisés en investissement. Ce chiffre ne prend en compte que les dépenses payées et omet les dépenses engagées pour lesquelles il faut bien entendu des crédits votés. Le pourcentage des crédits d'investissement utilisés est en réalité de 85%. Selon les mêmes trois élus, les crédits consommés en fonctionnement ne sont que de 50%. Ces mêmes élus omettent que 36% des crédits de fonctionnement votés en 2022 servaient à autofinancer des investissements. Ils devraient s'en satisfaire, de même que des économies qui ont par ailleurs pu être réalisées. Certaines recettes exceptionnelles sont sans explication. Les trois élus mentionnent entre autres une recette de plus de 500 000 euros. Celle-ci correspond au contentieux de la salle Agora gagné par la commune. La politique évidemment de la chaise vide qu'ils ont pratiquée pendant les multiples réunions préparatoires au budget explique peut-être cela. Le camping est largement déficitaire. Faux ! Le budget 2023 a inscrit un excédent de fonctionnement reporté à 104 130 euros, bien que le camping ait remboursé en 2022 au budget général 48 000 euros qu'ils avaient perçus durant le Covid. Et la subvention versée au budget de la régie ne concerne pas le camping, mais l'office de tourisme, ce qui est inscrit dans les statuts de la régie, mais que nos trois élus oublient chaque année. En synthèse, les trois élus du groupe Tous Maussanais déplorent une absence totale de cohérence de la majorité. Effectivement, cohérents et constants dans leurs agissements, eux le sont par leur manque d'implication dans les dossiers communaux, préférant toujours les actes politiciens aux actes fondateurs et rassembleurs de l'ensemble des Maussanaises et des Maussanais. Et pour conclure, comme le disait le réalisateur Claude Lelouch dans un de ses films, la critique a droit à toutes les opinions, à condition d'en avoir. Merci, passons à l'ordre du jour. Donc, premier point, approbation d'une convention avec la commune de Mouriès dans le cadre d'un partenariat avec le CCFF, Marc Fusard. Donc, vu la délibération du conseil municipal de Mouriès en date du 18 avril 1996 décidant la création du comité communal feu de forêt, vu la délibération du conseil municipal de la commune, je pense qu'il y a, c'était Maussanne, vu la délibération du conseil municipal de Maussanne en date du 18 avril 1996. Non, c'est pour Mouriès. C'est pour Mouriès ? Autant pour moi. D'accord, même date que nous. Alors, je reprends. Vu la délibération du conseil municipal de Mouriès en date du 18 avril 1996 décidant la création du comité communal de feux et forêts, vu la délibération du conseil municipal de la commune de Mouriès en date du 11 avril 2023 approuvant le projet de convention objet de la présente délibération, vu l'avis favorable des CCFF concernés, c'est-à-dire comité communal de feux et forêts, considérant l'opportunité de conclure un partenariat avec la commune de Mouriès afin que nos comités communaux feux de forêt puissent s'entraider dans l'hypothèse de la surveillance d'un incendie sur le territoire de l'une ou de l'autre des deux communes, compte tenu des circonstances de nos massifs forestiers s'affranchissant des limites communales. Considérant le projet de convention proposé par la commune de Maussanne-les-Alpilles, conformément aux souhaits des élus délégués respectifs, précisant les modalités d'intervention du CCFF d'une des communes signataires sur le territoire de l'autre, à savoir d'intervenir sur les feux naissants, le guidage et assistance des secours par leur connaissance du territoire, de surveiller les massifs par des patrouilles les jours à risque, sécheresse et vent,
La sensibilité du public pour les dangers des incendies de forêt, réglementation des promenades en forêt l'été et du débroussaillement autour des habitations en temps normal. Le tout, bien entendu, sous les ordres du maire territorialement concerné. Au vu de ces éléments, mais le conseil municipal vous m'en exposé, donc c'était une convention pour vous expliquer un peu qu'on avait avec les Baux depuis 2011. On était en convention avec la commune des Baux de Provence. Et suite au feu qu'il y a eu sur Mauriès en février, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit dysfonctionnement entre ces deux communes. Donc c'est ce qui nous a fait réfléchir, je dirais, la municipalité avec le comité feu de Mauriès et la commune de Mauriès, a une opportunité de faire cette convention que nous avions avec les Baux, de la mettre avec les communes avoisinantes, c'est-à-dire Mauriès pour aujourd'hui, les Baux puisque c'est existant, et le Paradou qui est à venir lors du prochain conseil municipal du Paradou. Normalement, ils devraient valider cette convention de manière à ce que le CCFF de Mossal puisse intervenir sur chacune de ces trois communes. Et surtout soit couvert au niveau d'assurance. Et j'allais y venir. C'est ce qui permet d'avoir une couverture. Parce que si on n'est pas... En convention, mais si on n'est pas appelé par le maire de la commune où il y a l'intervention dessus, on ne peut intervenir parce qu'on se limite à notre territoire. Et pour la couverture des assurances. Donc c'est pour ça qu'en faisant ça, on s'autorise à aller les uns chez les autres. Donc, au vu de ces explications, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent ? Unanimité, merci. Merci. Point 2, préemption parcelle cadastrée section A, numéro 1044. Toujours toi, Marc. Ouais. Donc, j'indique à l'Assemblée que la commune a reçu en date du 20 mars 2023 une déclaration d'intention d'aligner la parcelle cadastrée A 1044 située lieu 10, le Mas Long, d'une contenance de 59 mètres carrés au prix de 15 000 euros. Pour visualiser l'endroit, c'est les deux places de stationnement qui sont derrière l'espace galerie. Ah, ok. Voilà, qui sont aujourd'hui privatisées, donc oui. On avait mis une réserve pour pouvoir acheter. Oui. Voilà, comme ça, vous voyez à peu près l'emplacement. Donc, je précise que cette parcelle se situe en zone UA, au PLU, et est touchée par l'emplacement réservé numéro 25 pour l'aménagement de la rue Jules Deïs. Il y a donc lieu ce jour de statuer sur la préemption de cette parcelle au regard de sa situation au sein du périmètre d'institution du droit de préemption urbain. Selon la délibération numéro 2017-07-06-10 du 6 juillet 2017, instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire communal. Donc, vu le code de l'urbanisme, et notamment ces articles, je vous fais part, hein, la délibération du conseil municipal que je vous ai cité auparavant, la déclaration d'intention d'aliéner reçue le 20 mars 2023 adressée par maître Bazin, notaire à Minerve, en vue de la cession moyennant le prix de 15 000 euros d'une propriété cise le Maslon, cadastrée section A, numéro 1044, d'une superficie totale de 59 mètres carrés, à l'appartenant à la société à responsabilité limitée en Bozéni. Considérant que la parcelle concernée est touchée selon le PLU en vigueur par l'emplacement réservé numéro 25, comme je vous l'ai dit, considérant la situation de cette voie en plein cœur urbain, il est l'intérêt de maîtriser cette emprise foncière et dans le but de permettre des aménagements accessoires de la voie, stationnement, espace dédié à la mobilité douce, voire agrandir l'espace galerie, puisque ça le touche. Considérant que le prix indiqué par la DIA est cohérent compte tenu de la situation du bien en zone UA du PLU et des transactions récentes dans ce secteur, décide d'acquérir par voie de préemption le bien situé sur le lieu dit, le Maslow, cadastré numéro 1044 de 59 mètres carrés. Donc on décide que la vente se fera au prix de 15 000 euros. Je précise que le règlement de la vente interviendra dans les 4 mois à compter de la notification de la présente délibération et donne tout pouvoir, monsieur le maire, pour l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre l'acquisition de ces parcelles, qui s'abstiennent ? Unanimité, merci. Alors, point 3, approbation d'une convention entre la commune et l'association Société Saint-Éloi relative à une intervention périscolaire. Émilie Germain. Donc nous avons reçu la demande de l'association Saint-Éloi représentée par son président Stéphane Cadet,
qui sollicite, comme chaque année, donc la commune afin de réaliser des ateliers de confection de bouquets de blé pendant le temps périscolaire, donc entre le 5 et le 9 juin 2023, c'est-à-dire la semaine juste avant le week-end des festivités donc de Saint-Éloi. Donc ce projet d'animation est basé sur la transmission de la culture des traditions, et conforme au statut de l'association. Et elle répond aux attentes donc, de la commune en termes d'amélioration et d'enrichissement des activités tout en périscolaire. Donc ça se fera entre midi et deux. Donc est-ce qu'il y a des questions? Non? Des abstentions? Des contres? Non. Donc merci pour les enfants. C'est une très bonne chose. Oui, tout à fait. Point 4, modification de la composition des comités consultatifs. Alors en fait, on va annuler ce point parce que au dernier conseil municipal, donc on avait modifié donc la composition des comités consultatifs et en fait, on avait omis au niveau des élus, c'est 8 de la majorité et 2 de l'opposition et donc ils avaient donné que 1 an. Et donc aujourd'hui, ce soir, ils devaient nous donner le deuxième nom dans chaque comité en tant qu'élu. Pour l'opposition, mais comme ils sont pas là, les trois, donc on peut pas savoir, on sait pas qui présente, donc ce point 4 sera représenté lors du prochain conseil municipal. Donc le point 5, c'est le tirage au sort de la liste préparatoire au jury d'assises. Hein. Donc vous savez, comme chaque année, on doit par tirage au sort public la liste, donc évidemment préparatoire du jury d'assises à partir de la liste électorale de la commune par le maire en personne. C'est écrit. Donc le nombre de jurés pour la commune de Mossane-les-Alpilles étant fixé à 2, ça a énormément diminué. C'est pas 6. On désigne 3 fois plus. À la fin, il y en a 2 qui sont retenus. Mais nous, on doit désigner 3 fois plus de noms. Et qu'on vient de tirer au sort 3 fois plus de noms. Ah oui, j'ai pas voulu de jurés attribués, soit 6 personnes. C'est ça, comme les élèves, j'ai dit 2, cette histoire. Donc allez, c'est parti. Donc Émilie, tu rigoles. Donc tu as de la page... Numéro 1, toi tu vas me dire de la page numéro 1 à 152. 33. Alors 33 et. 13. Entre 1 et 13. 13. Alors ce sera Chaussin Anne, Elisabeth, Marie-Louise, Lebègue. Chaussin Anna. Elle est née le 15/06/1935. Ah ouais, tu crois qu'elle est décédée? C'est pour ça qu'on en prend 6, c'est en cas où. Mais bon, j'ai en tout cas, elle est sur les listes électorales. Donc tu as besoin de quoi encore? De numéro. De quoi? 226. 226. Plus cher. Chaussin, Anne, Elisabeth, Marie-Louise, Lebègue, L-E-B-E-G-U-E. Ah bon, c'est vrai, Donc allez, tiens Henri, au lieu de parler, là, entre 1 et, que j'ai dit, et 151, 152, pardon. Allez, 118. Non mais t'as raison, il faut faire toutes les strates. 118. Et entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a toujours 13. Bon. Alors, tiens, mes mutes, ça t'intéressera de rigoler. Dis-moi pas 14, il n'y a pas. Ben 13. Il y a toujours 13. Pétrini Jean-Pierre Robert. Ah, mais je tiens. P-E-T-R-I-N-I. Il est né le 1er avril, ce n'est pas un poisson, 59. Et il habite chemin de l'Escampadou, rue de l'Escampadou, pardon. Et 1091. Donc entre 1 et 152, tiens Patrick, comme c'est ton anniversaire aujourd'hui. 98. C'est l'âge. C'est l'âge. D'ailleurs, tu es porté. Et donc entre 1 et 13, Laurent. Voilà, donc 5, 6, 7, 8, 9.
Mastro Simone Maria. Alors, Mastro Simone, comme ça se prononce, M-A-S-T-R-O, Simone, en un seul mot, évidemment. Maria, elle est née le 27-11-46. 27-11-46. 698. Allez, Dominique, entre 1 et 152. 130. 130, allez. 130. Allez, Fanny, entre... entre 1 et 13. 2. 2. Ah, voilà. Richard. Richard Alan Jean. Donc il est né. Il faut être quel âge il faut? Non, c'est bon, 93. Oui, c'est bon, c'est 93. Ouais. 10-07-93. Numéro 905. C'est bon? Entre 1 et 152, Alexandre. 100. Entre 1 et 13, qu'est-ce que j'ai pas dit? Thierry, je t'ai dit toi? Bernadette, entre 1 et 13. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, Mercoiret, M-E-R-C-O-I-R-E-T. Sylvie, Éléonore, Clémence, Campos. Elle est née le 2-12-1958. Page 100. 569. Il me faut encore là. Entre, allez, Fabienne, entre 1 et 152. 12. Ah voilà, c'est bien. 12, je dis c'est bien parce que ça change de. Voilà. C'est la prendre partout. 12, entre 1 et 13. Marc, il a oui, mais il voit là. Il voit, là. Moi, mais je parle droit. Elle n'a pas le droit. Elle a le droit ou pas? Elle n'a pas le droit, hein. Alors, c'est Dominique. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beluche, Paul. Ah, le repère Beluche. Comptable. Né le 26-04-46. C'est le numéro 80. Le jour de Eh ben voilà. Donc, on est bon? C'est le roi du verrou. Tiens. Donc, voilà, voilà, voilà. Non, c'est une obligation. Hein. C'est-à-dire, là, vous êtes tiré au sort. Après, ça va au tribunal à Aix, en Provence, hein, pour nous. Et donc, à chaque fois, moi, ça m'est arrivé. C'est vrai? Oui. Et j'ai été. Après, il faut être tiré au sort par le tribunal. Hein, quand il y a des semaines ou. Voilà. Donc, moi, j'ai été tiré au sort une fois. Et tu ne peux pas. Tu peux refuser, évidemment. Si tu es malade, tu as une vraie raison. Mais tu ne peux pas refuser, autrement, ils viennent te chercher et tu as une pénalité. Voilà. Et tu es payé pour ça. Ah oui, oui. Et une certaine... Et il y a certaines professions où tu ne peux pas. Évidemment, avocat, on ne peut pas. Tout c'est ça, son âge. Il y en a deux dans l'atelier. Boucher, qui ressort, qui sont allés au. Ah oui. Ils ont parti, c'était une semaine. Ouais, ouais. Toi, ça va durer longtemps. Voilà. Ça dure 15 jours. 15 jours. Ah, ouais. Point 6. Je suis dans l'ordre, là. Hein. Oui. Et comme on n'a pas beaucoup de points, il ne faut pas que j'en loupe, quand même. C'est ça, c'est ça. 5, 6. C'est à Dominique. 6, c'est sa création d'une maison régionale de santé pluridisciplinaire, ça on le sait. Approbation avenant au marché de travaux au lot numéro 3. Charpente bois, couverture, étanchéité, évidemment notre spécialiste là-dessus, avec l'entreprise KP2, c'est Dominique Stekeler. Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles L2194-1 et suivant, vu la délibération numéro 2022-09, 15-02 du 15 septembre 2022 portant attribution du marché Allotti Travaux pour la création de la future maison de santé pluridisciplinaire de Mont-Saint-Médalpi, considérant la nécessité de créer dans la charpente de la maison de mettre au niveau de la salle de réunion au dernier étage un exécutoire de désenfumage sous forme d'un stand-up avec treuil suggéré par le maître d'œuvre après avis du contrôle technique, considérant la plus-value aboutissant à un surcoût 1190 €, soit 0,8% du montant hors taxe initiale du marché, qui était à 147 465,90,
soit un nouveau montant de 148 655,90 hors taxe pour le lot numéro 3 Charpente. Considérant que cette modification n'a pas pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence. Okay. Voilà, donc, qui est contre le désenfumage? Qui s'abstient? Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. C'est un Vélux qui s'ouvre. C'est un Vélux qui s'ouvre. Ah, c'est la sécurité. C'est pour la sécurité. Alors, c'est la Skydome avec... Donc, point 7 et avant-dernier point... Décision modificative budget général, Alexandre Weiss. Donc j'ai invité à l'Assemblée qu'il convient d'ajuster les prix du budget de l'exercice 2023, notamment pour prendre en compte les éléments suivants. Premièrement, acquisition d'une parcelle en zone urbaine payée par voie de préemption. D'un point, le paiement de la taxe d'aménagement générée par le permis de construire délivré de la commune pour la réhabilitation du bâtiment priolaire afin de définir ou d'accueillir la maison régionale de santé pluridisciplinaire. Troisième point, ajustement de la prévision de recettes relatives aux dotations de l'État suite à nos notifications postérieurement à l'élaboration du budget comité. Et quatrième point, octroi d'une subvention par le conseil départemental 13 pour l'acquisition d'une parcelle des espaces naturels sensibles. Et enfin, annulation d'un titre sur l'exercice antérieur. Ainsi, je propose de modifier le tableau du budget comme suit. Donc, en ce qui concerne la section investissement du budget général de la commune, donc des dépenses, la demande de modification est pour le chapitre 10 de 226 de 1500 euros et pour le 21-11 la DM est de 17 000 euros, ce qui fait que le budget après la modification de la DM reste inchangé puisque dans ces chapitres-là, il y avait zéro. En ce qui concerne la section investissement du budget général de la commune Béhan, dans la section recettes, dans le chapitre 13-23-207-0, donc la DM est de 3100 euros, et dans le chapitre 021, la DM est de 15400 euros, ce qui fait qu'une DM de total de 18500 euros. Ce qui fait que au niveau du budget avec l'ADM, eh bien, on retrouve donc pour la première ligne de 3100 euros et bien sûr pour la seconde ligne, la somme des deux, 627 149 euros. En ce qui concerne maintenant la section de fonctionnement du budget général de la commune en dépenses, donc, en article au chapitre 23, le montant de la DM était de plus 15 400 euros. Donc, on voit le pendant du dépenses procède du 15 400 euros du tableau précédent. Pour le 60-68, donc on a une DM de 4 576 euros. Et au chapitre 673, il y a une UDM de 1000 euros. Ce qui fait que l'ADM total est de 20 976 euros. Et vous retrouvez de ce fait que le budget après l'ADM pour le chapitre 23 est de 627 149 euros. Pour le 68, il est de 18 573 euros. Et bien sûr, pour le 673, il est de 1000 euros. Maintenant, si on regarde la section investissement du général, mais en recettes, donc dans le chapitre 714-11 de la DM est de 3763 euros. Pour le 74-126 et 121, la DM est de 3158 euros. Et pour le chapitre 74-718, la DM est de 14 055 euros, ce qui fait qu'une DM totale demandée aujourd'hui de 20 976 euros, ce qui fait qu'on retrouve dans les lignes précitées, pour la première ligne, bien, le budget avec l'ADM
est de 3 763 €. Pour le deuxième délit, le budget est de 35 158 €. Et pour le troisième délit, le budget avec l'ADM est de 47 055 €. Ok. Donc, le budget de 2023, le budget général de commerce qui s'y déçoit, est-elle à calexer la précédente délibération ? Donc, au maire tout pouvoir pour l'exécution de la présente délibération. Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci Alexandre. Point 8 et dernier point de l'ordre du jour. Approbation au règlement intérieur maison de santé pluridisciplinaire et autorisation de signature des beaux professionnels. C'est pas des professionnels, ils sont beaux, mais c'est des beaux. Hein. Dominique Stekelrand. Je rappelle à l'Assemblée le projet en cours de réaménagement du bâtiment Priolé aux fins de création d'une maison de santé régionale pluridisciplinaire qui a vocation accueillir divers professionnels de santé ayant adhéré à un projet de santé validé par l'ARS. J'indique à l'Assemblée que l'entrée dans les locaux est prévue le 1er novembre 2023 et qu'il convient donc par conséquent et déjà de valider le projet de règlement intérieur régissant le fonctionnement général de ces futurs locaux et le contenu du bail professionnel à intervenir entre la commune propriétaire et chaque professionnel. Donc, vous retrouvez le règlement intérieur et le projet du bail en annexe. Je pense que tout le monde l'a lu et connaît par cœur. Donc, je ne vais pas le reprendre. Donc, dans les grandes lignes, on fait un bail pour chaque professionnel, donc par bureau en règle générale. On a un loyer de 15 € du mètre carré. Le loyer est calculé au prorata du local privé avec la jouissance des locaux communs. Voilà. Et donc, on leur demande une avance de charge de 2 € par mètre carré pour l'ensemble des charges, sauf tout ce qui est téléphone internet qui est payé par le. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une question ? Donc, qui est contre, qui s'abstient, votez à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc là, nous avons épuisé tous les points de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions diverses et variées ? Écoutez, en plus, on peut arrêter ce conseil municipal qui...